Mettre les choses à plat pour la reprise effective du championnat national de première, deuxième et troisième division, c'est la proposition faite par le sélectionneur national Thierry Mouyouma aux nouvelles autorités du pays. Quand on entend dire que certains d'entre eux n'ont pas de contrat, quand on entend dire que certains d'entre eux viennent demander, mais ils ne sont pas en train de demander, ils nous demandent, ce n'est que leur droit qu'ils réclament. Et ces droits ont été bafoués parfois, parce que je pense qu'en amont, ça n'a pas été bien fait en club. Et là, il appartient aux nouvelles autorités de mettre les choses à plat. Moi, si j'avais une proposition à leur faire de manière sincère, je sais que ce n'est pas évident d'abandonner l'argent, comme l'argent qu'on a travaillé. Là, je pense que les bons chrétiens vous le diront même. Vous gagnerez la sueur de leur front. Donc, ils ont travaillé à la sueur de leur front, ils n'ont pas eu cet argent. Maintenant, ce qu'ils peuvent faire, c'est définir un montant qui puisse arranger tout le monde. Réagissant également sur son arrivée à la tête de la sélection nationale, le technicien gabonais n'a pas manqué de redéfinir les missions qui lui ont été assignées. Il y a un nouvel homme, un chef d'État qui est arrivé, qui a eu une vision. Mais je pense que la vision du chef de l'État calait avec celle du président de la fédération. Le président de la fédération avait déjà l'intention de nationaliser le poste de l'entraîneur national. Et le chef de l'État, en précisant que lui voulait qu'il y ait un gabonais, à ce moment, la feuille de route était claire. Donc, il y a eu des propositions, comme vous le savez. Je ne vais pas revenir dessus. Il y a mon nom qui était sur une liste où il y avait d'autres Gabonais, notamment l'ICEALA. C'était plus cela. À ce niveau, on parle plutôt de pompiers de service. Pompiers de service, c'est peut-être faire le match de Lisbonne. Quand on dit intérimaire, oui, là, on a affaire à un pompier de service. Depuis son arrivée, Thierry Mouyouma totalise 2 matchs officiels pour 2 victoires. Un coup de chance ou tout simplement un savoir-faire, l'avenir nous le dira.